Morkel Production présente Castle Wars. La guerre des châteaux. Tout à fait. Bonjour à tous, ici Morgan von Brilan. Et grâce. Et voilà, écoutez. C'est moi. Voilà, il dit des choses, c'est grâce court. Non, c'est grâce. Ah bon, je croyais. Et donc, nous allons jouer à ce petit jeu flash qui est un jeu de cartes. Et donc, c'est pas un jeu de château. Non, on pourrait croire, c'est un jeu de cartes. En fait, avec des cartes à jouer pour jouer avec. Est-ce que ce sont donc des châteaux de cartes? Non, je crois que ce sont des châteaux de briques. Ah, ça. Donc. Est-ce que ce sont des briques de cartes? Oui. Donc toi, tu veux jouer player 1, parce que player 1, il est à gauche et tu es à la gauche. Oui. Félicitations, player 1. Ah. Donc, le principe. Si vous regardez à gauche, vous avez des builders, des bâtisseurs, des briques, des soldats, des armes, de la magie, des cristaux, un château et une muraille. Le principe, c'est qu'au début de votre tour, vous allez récupérer autant de briques que vous avez de bâtisseurs, autant d'armes que vous avez de soldats et autant de cristaux que vous avez de magie. C'est en l'occurrence deux pour chaque. Et le but du jeu est d'utiliser ces cartes qui ont donc chacun un coût en briques, armes et cristaux pour soit faire grimper vos châteaux jusqu'aux cieux en l'amenant à une valeur de 100 ou plus, ou de détruire le château adverse en l'amenant à 0. Sachant que bien évidemment, les attaques de base tapent en priorité la muraille. C'est à ça qu'elle sert. Vas-y, oui. Joueur 1. Oui. Eh ben écoute, c'est rentable, ça multiplie les briques. Tout à fait, tout à fait. Moi, je vais être basique. Je vais conjurer des cristaux. Je vais dépenser 4 cristaux pour gagner 8 cristaux. Donc, j'ai juste gagné 4 cristaux. Mais c'est un peu nul comme carte. Eh ? C'est un peu con, je veux dire. Fin... C'est utile, la magie. En sachant que, comme il n'y a aucune transition entre les tours... Oui, mais écoute... On voit chacun la main de l'autre. On n'est pas censé, mais on fera avec. Écoute, tu conjures les cristaux. Moi, je peux crush tes cristaux, du coup. Tout à fait, tout à fait. Tu accroches mes cristaux. Je suis voilà. Vexé. Je vais donc t'envoyer une grosse sauterelle. Oh non ! L'invasion des sauterelles du Seigneur ! Voilà, elle t'a mangé 4 briques de... Des sauterelles qui mangent des briques ? Oui. Ce sont des sauterelles bricophages. Et bah toi, t'as plus de briques. Merde. Je croyais que j'aurais des briques, mais je n'ai pas de briques. Et bah toi, t'as plus d'armes. Zut. Voilà. Bon, j'ai pas un choix énorme. Ouais. Tu pourrais... appuie sur CTRL pour défausser une carte. Bien sûr. À la place, mais du coup, tu vas juste perdre ton tour. Non, mais je dois envoyer des sauterelles aussi. Prends ma buée égyptienne. Des sauterelles ? Eh ben moi, j'ai une catapulte. Mais non. Oh ! Ah ! Je tabasse ton château. Ah ! Mon château a mal. Bah là, tu es comme qui dit, allez, baiser. Oui. Tu ne peux rien jouer. J'appuie sur CTRL, vas-y. On va discard le Platon. Ah bon ? Oui. T'aimes pas Platon ? Si, mais là, il était pas utile. Je tire des flèches sur ton château. Aïe. Je conjure des cristaux, quoi que ça veuille dire. Eh bah, ça veut dire qu'avant, t'avais des cristaux, et maintenant, t'as encore plus de cristaux. Oh, la malédiction, c'est trop fort, ça. Ouais, bah, t'as pas le droit. Ça fait plus 1 à tout pour soi-même, et moins 1 à tout pour l'adversaire. Alors, c'est sympa pour les briques, les armes et les cristaux, mais c'est bien évidemment surtout intéressant pour les bâtisseurs, les soldats et la magie. Ouais, les portos, les bourrins et... Et la magie. C'est ça qui permet d'obtenir des choses. Oh! Bah voilà, j'engage un sorcier. Après tout, voilà, bon. Grâce va donc désormais gagner 3 cristaux partout. Et oui, c'est mieux. Ce qui donne tout de suite un avantage sur moi. Et il faut que je répare le château là. Et moi je vais détruire tes cristaux, parce que je trouve que t'en as un peu trop. C'est pas gentil ce que tu fais. Et ah. De nouveau, tu es contraint de défausser une carte. Ça va être compliqué d'utiliser deux Banshees dans le même match, donc... Ouais, c'est compromis. Oh, t'as récupéré une école, salaud. Faut juste que je te tabasse plus vite. Mais non, mais arrête. Aïe. Bon, une école de portugais, alors, hein, c'est pour faire du BTP. Enfoiré, il est éduqué. Je détruis tes armes. Bah moi, je casse tes briques. Oh non. Bah moi aussi. Mais... Les autres, ils font rien qu'à faire pareil, alors moi aussi. Ah, la seule carte que tu peux jouer n'est pas rentable parce que je n'ai que 4 armes. Et non, je ne peux pas aller en négatif. Sache-le. T'as pas 4 armes, t'as 0 armes, regarde. Ah, zut. Et bah moi, j'ai un sorcier. Moi aussi, j'ai un sorcier. Zut. Même que mon sorcier, il fabrique des briques.
Ouah, c'est le fameux sorcier maçon. C'est parce que t'es portugais, ça. Mais oui, bien sûr. Par contre, je me fais un petit peu démolir et j'aime pas trop beaucoup ça. Moi, j'ai un plus gros château. Ah, le saboteur, c'est pas mal. Non, pas mes stonks. Si, des stonks. Oh, mes stonks. Notre stonk. Voilà. Deux dragons et une malédiction, j'aurais jamais assez. Deux dragons et deux banshees. Terrible, terrible. Ouais, bah écoute. Construisez un. I will be the wall, comme disait Troupe. Oh putain. Et personne. Je dis que t'es Christo. Et personne ne. Oh, j'ai trouvé une école. Une essole. Une chole. Une chéole. Oui, une chole, oui, je sais dire l'anglais. Je fais une chole. Voilà, j'ai une chole. T'es pas le seul à être éducaté. Mais toi, t'as pas de cristaux. Zut. Eh bah, je vais recruter des soldats pour te casser ta bouche. Ouais, tout ça parce que t'es vexé. Exactement. Et bah, moi, je construis. Voilà. J'ai envie que ta bouche soit cassée. Maintenant, j'ai une plus grosse barrière. Une sauterelle. Ma barrière reste plus grosse quand même. Zut. Même que je vais conjurer. Attends. C'est lui qui est la plus grosse. Oui, t'as un conjure qui se. Ouais. Je peux conjurer des armes. Moi je vais faire une petite polissode. Transfert ennemi stocks. Oh l'enculé! Non! Il te manque juste une arme, mais écoute, donne. À moi. Salaud! Et du coup, je peux pas jouer mon sorcier. Salaud! Ben, je vais discarder une manche. Eh bah, chais. À moi. Du coup, je veux un sorcier de plus. Je veux la magie. Il est hors de question que tu prennes de l'avance. Oh non, il a un sorcier aussi. Ouais, mais tu peux rien faire si t'es saboté. Prends ça. Ça a rebondi, j'ai rien senti. Si j'ai décalé une brique, j'ai conjuré des cristaux. Ta muraille est désormais plus parfaitement symétrique. Ma pire faiblesse, l'asymétrie. Crush weapon, je vais pouvoir me casser les couilles quand t'as que 3 armes. Je vais virer le squat parce qu'il est pas rentable. 18 armes pour moins 10 au château ennemi. Ok, ça attaque directement le château en ignorant les murailles, mais c'est quand même chien. Ah, regarde, j'ai un dragon. Ah non. Non, attends. Oh, attends, j'ai des fées aussi. C'est pas des fées, ça, c'est des nains de jardin. Ta gueule, c'est des fées, elles ont des ailes. Elles sont juste pas visibles. Les gnomes. Eh ben, est-ce que je demande de l'aide à mes gnomes ou est-ce que je t'envoie smoke sur la gueule? Ah, mais regarde, base, c'est bien, faut avoir des bases solides. Venez à moi, mes fidèles gnomes. Ah zut, ces fidèles gnomes sont venus à lui. Bon bah, nique tes armes. Je m'en fous des armes. Tu ne vois donc pas ce que je suis en train de faire. Je conjure des briques. Oh non, oh non. Je vais te babylonner. Oh non. Bon, je fais des je tape dans les réserves. Je vais te babylonner. Je suis à une brique près. Il peut presque me babylonner. À une brique près. Je vais mourir. Bon, moi, j'invoque des armes. En vrai, si tu me babylones, t'as presque gagné. Oui, oui. Je vole ton matos. Tu ne babyloneras pas. Bah, si c'est comme ça, j'envoie des flèches. Ah non, piou, piou. Les flèches, mes pires ennemis. Je vais faire une essole. Oh non, il a plus de travailleurs que moi, mais moi je peux babylonner. 93%. Non. T'as vu mon gros chat? Aïe. 84%. Je casse ton dragon. Bah moi je recrute un soldat. Bah moi je vole ton matos. J'avais plus de matos. All your matos are belong to me. Mais j'avais plus de matos. Et bah oui, je confirme, t'as plus de matos. Mais. J'ai du matos. Non, il faut pas avoir de matos. C'est mal, Rigny. Plus d'armes, des armes. Pour attaquer l'ennemi. Non, ne touche pas ce chat. Regarde, il y a des bases. C'est important, les bases. Comment ça, j'ai déjà dit. Et t'as encore notre carte Babylone, mais quel enfer. Non. Donne tes briques. On t'a jamais dit que c'était pas une vraie carte. Mireille. C'est au moins un peloton d'exécution. Et si vous voulez savoir ce qu'ils vont exécuter, bah c'est mes ordres, bien sûr. Puisque mes ordres ont désobéi. Ils seront donc pendus sur la place publique. Mais c'est plus rentable, ça, un mur. Un mur. Oui, mais il fait que 3 de haut, hein, c'est bon. Oui, bah, moi, mon mur, il fait plein de haut. Voilà, par mon château. Il m'a volé mes gnomes. Quel salaud.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et bah, je vais recruter un soldat de plus. T'avais qu'à mieux les payer, Techno, mais espèce de pingre. Ouais, je suis pas. Je te Babylone. Et oh merde. Je t'ai baisé. Bon, bah, je vois de l'eau, de tristesse. Allez, best of 3. C'est ce que t'avais dit avant de commencer, effectivement. Tout à fait. Avant que la vidéo ne commence, personne ne le saura jamais. Bah, si, maintenant. Bon, c'est pas grave, joue. Si tu perds, t'as perdu. Si je gagne, j'ai gagné. Hein ? Peur. D'accord. Eh ben, on va commencer par invoquer les armes. C'est important de taper les ennemis quand ils sont faibles. Ouais, je suis d'accord. Mais non, mais arrête ! Tu es désormais faible. Mais je vais recruter plus d'armes. Zut. Il va recruter des armes. Oui. Mais il va voir sa fusil, garde la bouche. On va recruter des constructeurs là aussi. Ah non, il est sale. Moi, si je recrute, j'ai une autre carte de recrute. Je vais pouvoir recruter plein. Et après, je t'envoie l'amour. Oui, je vais crush tes armes. Tes unes armes. Ça me paraît être une bonne idée. Ouais, non. Non, mais c'est une super épée en fait. Ah, faire les fondations. Les bases. C'est quoi la base? Je dis que c'était bien les bases. Je conjure des armes. Comme ça, j'aurai plein d'armes. J'ai plus d'armes. Oui, mais. T'as pas d'armes. Non. Si. Les armes. Bah voilà. C'est pas grave, j'ai des briques. J'ai pas de cartes qui sont servies en haut, mais j'ai des briques. Oui, 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 certes, certes, certes. Pourquoi là, attends, là c'est 5 pour 5, là c'est 1 pour 2, pourquoi c'est pas rentable ça? Mais parce que ça donne plus en un seul tour et donc c'est plus rapide. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai plein de soldats. J'ai plein de soldats aussi, mais moins. Mais aussi j'ai un magicien, ah, voilà. Oui, bah moi j'ai une Essol. Arrête de dire Essol. Non. Je fais une référence à Megamind, c'est un très bon film, regardez-le. J'ai oublié, depuis le temps. On regardera. Oui. Après cette partie. En VO. Parce que je l'ai pas envie. T'es mauvais. Je me demande s'il est sur le Flipnix. Je suis pas très loin d'avoir une Banshee. Du coup, je vais conjurer. Ah des putain, il est pas très loin d'avoir une Banshee. Au secours. Faites des murs. Bonjour. Alors, je pourrais attaquer avec la Banshee, ça ferait 32, donc moins 19, ça ferait mal. Je compte bien, t'as vu? Non. Non, mais t'as pas envie de faire ça. Merde! Si, j'ai envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça, salaud. Prends ça. Oh non, pas mes briques. Hop là. T'es triste, mon gars. Écoute, ça sert à rien, les barrières. Il se semble que en fait, cette carte est encore plus efficace quand t'as pas de muraille, parce qu'elle fonctionne quand même. Ça, c'est un bug, monsieur. Oui. Enfin, même un exploit. Il est peut-être corrigé dans cette version du jeu, j'en sais rien. Mais j'avais joué une version du jeu où c'était pas corrigé. Voilà, j'en mets une plus grosse ma muraille est plus grosse que mon château. Alors, c'est une clôture de jardin et elle est plus grande que ta maison. Ouais. C'est vraiment ridicule. Bah écoute, reste petit, hein. Les vrais s'élèvent vers le ciel. Avec ma femme, on s'est dit que ça coûtait moins cher que des rideaux. Alors, c'est pas très sympa de faire ça. Moi, tu sais, j'ai deux cœurs, et donc du coup, j'ai qu'à stacker un peu de cristaux et tu vas manger tes morts en fait. Mais non, toi, tu manges tes morts, voilà, je t'envoie le GIGN. Le GIGN. Bon, donc le SWAT, donc, c'est une carte qui attaque directement le château, ça ignore la muraille. C'est pour ça que ça le chariot aussi. Cher. Le chariot aussi, petit con. Putain, le chariot, il coûte des briques en plus, c'est dégueulasse. Bah oui, tu fais un chariot en briques ou en épée, toi. Je veux faire bois. On a pas de bois. T'as bien vu que... Regarde, tu vois la plaine? Tu vois les arbres? Non, bah voilà. Ah oui, putain. Du coup, y'a pas de chocolat dans ce monde. Quoi? Pas de bois, pas de chocolat. Mais ferme ta gueule. Bon, je veux un sorcier de plus. Putain. Parce que j'ai des dragons, des sorcelleries, là. Allez, bah, moi, je veux Merlin dans mon château. Moi, I send the pestilence and plague into your house, into your... Mais je vois que t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Oui, à moi. Mais j'ai que des cartes de... Non. J'ai que des cartes de nom. Oui, t'as beaucoup de cartes de nom. L'important, c'est d'avoir des bases solides. Arrête! Je build! Il y a trop de générations de ressources obscures! Des bases solides, les enfants. J'ai quelques soldats de réserve, j'ai une catapulte. Non. I build the wall. Tu m'auras jamais. Nique ta mère! Non! Rase ton château! J'ai pas envie de niquer ma mère! Je fais le tour!
Oh oui. Piou piou piou. Non. Nick. Ah. Pour ça, la muerte. Vite les gnomes. Non. Cassez-vous les gnomes. Non. Ah. Alerte. 14. Ça fait mal. Maintenez l'offensive. Ça fait mal. Je me rends compte que les chevaliers sont pas rentables du tout, parce que les chevaucheurs pour deux armes ils font 4 d'attaque alors que les... T'as plus de stock, va chier. Les chevaliers pour deux armes ils font 3 d'attaque. Donc résumé, si vous voulez faire la guerre, n'embauchez pas des chevaliers, embauchez des sauterelles. On va du switch aussi. C'est un mur. Moi je fais une école. Oh, j'ai pioché une autre école derrière. On est en train de s'en mettre, vite, fabriquer une autre école. Oh no. Non, casse-toi. Non, non, non. Construis vite. Construis ton fort là, fais pas chier. Voilà. Construis. Ah, 4 de magie, moi j'ai encore que 2. Est-ce que j'utilise les pixies pour me mettre à l'abri ou est-ce que j'attends pour avoir une curse? Non, mais t'as envie de faire des pixies. Les curses c'est pas rentable. T'as des malédictions, qu'en faire? Faites grandir le château. Faites pousser des magiciens. J'ai un crush cristal, donc tu pourras rien faire hein, avec tous tes magiciens de merde oh, là. Non, surtout ne détruis pas mes 3 cristals. Non, mais plus tard. Bah, nique tes stocks. Je casse tes stocks. Voilà, je t'ai fait perdre un tour de cristaux. C'est de la merde. Prends des flèches. Non, j'ai pas envie. T'as un garçon peut-être dans mes réserves. Oh. Mais je triche. T'as creusé une tranchée en fait. Ah oui, des cristaux en plus! C'est vrai que la magie! La muraille pour elle est en négatif, mais non. Du coup, tiens une flèche. Ah oui! Non, ne touche pas à quoi que ce soit. Tiens, tiens. Oh l'enculé! Au moment où il clique, hop là! Non, 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 non. Qu'est-ce que je te retire? Putain, je me rappelle plus de tes cartes. Non, mais j'ai rien d'intéressant, moi j'ai que des bases en fait. Ouais, en attendant, je vais te tirer des armes. Non. Ah, c'est ça, t'as de l'attaque et catapulte. Tout là. T'avais une banshee. Hein, je suis à un tour et demi de mettre la cursed. Non. Je vais mettre une barrière, ça va me protéger. Ah, je peux rien faire pour l'en empêcher. Ah, la curse, c'est la fin du game. Tiens, je casse tes briques. Non, mais là, tu utilises les pixies, clairement. Donne. Petite rançon. Ça y en a autant de magiciens. Non. En fait, non. Abracadabra, donne-moi tout ça. Ah non. Bon, bah ça, c'est la mort, c'est moi qui m'a fait. Hippity Babylone. Hippity hoppity, your property is now mine. Et hippity hoppity, everything you have belongs to me. Non, je sais pas. T'as plus de magie en tout cas. Non, ma magie. Si j'ai de la magie. Ouais, mais moi j'ai des briques. Et donc je vais pouvoir te babylonner. Oubliez de faire un sorcier, hein. Ah, du coup, avec la malédiction, mais passe devant en génération de ressources. Je vais mourir. Oh non. Il va me babylonner. Mais c'est bon, hein. Je vole tes briques. Je vole ta vie. Non. Je vole ta vie. Ça n'en finira donc jamais. Moi aussi je peux creuser des trous. Ah non. J'utilise la triche. Toi aussi t'as triché pour donc ça. Ça c'est des flèches, c'est de la merde. Eh regarde, j'ai un autre Babylone. Et ça monte à 5 par tour. Est-ce que non, t'es content mais... Moi j'ai non. Des pixies. Non, casse-toi. Pour ça. Oh non, un dragon ça tue les pixies. Pourtant dans Pokémon l'effet c'est fort contre les dragons. Ouais, mais on est pas dans Pokémon. Zut. Pourtant, j'ai des. Regarde, je t'invoque des insectateurs dans la gueule, tu fais quoi? Bah, aïe. Je dis aïe et je vole tes briques. Mais. Non! C'est mes briques! Non. Bah, toi, t'as pas de briques. Parce mais que c'est mes briques. Bah, moi, je build de wall. Waouh! Petit wall. Oh, oh, regarde, j'ai un builder de plus, j'en ai 6! Je vais pouvoir te babyloler très fort. Scur! Tiens, tes armes.
T'as aucune carte qui te demande des armes. Je suis trop con. Si, t'as un chevaucheur de sauterelle. J'ai un criquet. Tu veux un criquet? Le grillon. Il fait cric. Et t'as plus brique. Ouais, c'est ça. C'est là que j'imiterais le grillon si j'avais imité les grillons. Mais j'ai pas imité les grillons, alors je vais pas imiter un grillon. Mais t'as plus de magie. J'aimerais bien imiter un grillon. Ferme ta gueule. Non. Assez, s'il te plaît. Bah écoute, j'ai qu'un archer de merde, donc je vais conjurer des briques. C'est bien. J'aime les briques. Mais non, mais t'es encore sorcier. Oui, j'avoue. On a jamais assez de sorciers. Je manque un peu de soldats, je trouve quand même. 4, c'est pas énormément. La génération de magie de cet homme. Moi, je me casse. Je m'en vais vers l'horizon. Moi aussi. Oui. Oh, t'as des pixies. Bah, je pense que la carte s'appelle Babylone, ça va pas être Babel plutôt. Non, Babylone, c'est par rapport au mur de Babylone. Ouais. Yeah. Bon, après, se faire babeler, ça sonne pas aussi bien que se faire babylonner. Je vais te babeler, tu vas voir. Je veux surtout pas que t'aies des pixies, toi, en fait. Il va me babybeler. Donc, en fait, je vais juste utiliser toute ma magie pour t'empêcher d'avoir de la magie. Bim. Bah, moi, je vais utiliser mes armes pour t'empêcher d'avoir tout. T'es au courant que j'ai 45 armes? C'est une illusion d'optique. Non, 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 regarde ton château, il meurt. Et bah, moi, je casse tes cristaux. Waouh, c'est très impressionnant. Je retire la malédiction tant que je peux. Et moi, je retire tes briques. Non. La guerre de sape. La guerre de tranchées. Quel enfer. Ça n'en finira jamais, mais tu sais que l'Allemagne va gagner à la fin. Bon bah, des bases solides, pardon. Comment ça, t'es pas l'Allemagne? Non? Allez-y! Aïe! Numé de centrale! Plus un soldat? Non mais. Faut quand même. T'as déjà beaucoup trop d'armes par rapport à ce que tu dépenses, arrête! Oui, mais ça peut faire des meilleures armes. Genre, par exemple, là, je peux prendre tous tes stocks et faire nique ta mère. Le jeu de mode vraie carte par pitié! Eh, regarde, t'as pas le soldat quand même! C'est pas mal! Le souhait, c'est une bonne carte, ça, surtout quand l'adversaire a pas de muraille. Regarde ça, 10 points de dégâts pour 18 épées, c'est rentable. C'est rentable. C'est rentable. Oh non. Oh non, et au prochain tour, malédiction, c'est la mort. Oh, j'hésite, tu pourrais t'envoyer un dragon et te terminer. Oui, vas-y, envoie un dragon, c'est une bonne idée. Non. Tout est à moi. Ça veut dire qu'il est parfaitement possible que tu mettes à zéro. Genre 0 sorcier ou 0 soldat, 0 bâtisseur. Hein. Tu peux creuser les trous. Regarde, tu es à 95%. Non. J'ai 89%. Mais j'ai un soldat. 7 partout. Et toi, t'as 3 partout. Ça va? Ça va? T'es à l'aise là? Tu te sens bien? Non, casse-toi avec ton dragon de mort là. Non. Non. T'as plus de barrière. Allez. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Invoquer des cristaux. Vite, tant qu'il n'a pas de croche cristals. Bah, on va vite retirer tes briques pour éviter que tu construises quand même. Ce serait con. Donne-moi ton matos. Ah, c'était con ça. T'as fait une malédiction pas loin. Bah, ma malédiction elle coûte. Putain, mais j'ai trop d'armes. Ma malédiction elle coûte 45. J'ai trop d'armes, je vais te faire peur. Et comme ça me fait pas peur. Je te souhaite. Comme je t'ai volé des cristaux, je peux faire malédiction. Quel enculé. Bon bah, un prix, un rendu, des trucs comme ça, tu. Tu m'as envoyé deux malédictions. Salaud. J'ai une muraille maintenant. Nique tes cristaux. Ouais, mais je génère des cristaux à l'infini, donc... Voilà, tiens, 3 cartes de chevalier, tiens, prends les cartes de merde. Ouais, tu dis cartes de merde. Par contre... J'ai beaucoup trop de briques et de weapons là, qu'est-ce qui se passe? Ça en fait, toi t'as 8000 ressources mais t'as que des cartes de merde. Moi j'ai les bonnes cartes mais j'ai pas les ressources. Écoute, on va dépenser les cartes et on va voir ce qu'on obtient. Des platons déjà, c'est pas mal. J'ai 2 conjures weapons, j'ai pas une seule carte verte. Parce que... T'as que les cartes bleues. Crush Crystal, mais non. Normalement les gens sont contents quand ils ont ces cartes bleues. 4 pour 6, 2 pour 3, mais c'est la même, mais en mieux en fait. Enfin, c'est en fait, fort. J'ai plein de cartes bleues, mais j'ai pas les codes. Bah, écoute, j'ai confié à continuer. J'ai fait agrandir ma barrière parce que 100, peut-être que ça fait gagner. Aïe, les cristaux. Ah, enfin! Carte utile. On va continuer de faire grandir la barrière. Tu me taperas pas.
Je vais taper, mais je vais taper ta barrière. Non, mais en fait. Oh, oui. Non, mais j'ai récupéré le GIGN quand j'étais grand mort. Oui. Ça. Ah. Je me suis fait souhaiter en plein stream, incroyable. Putain, j'ai plus de carte rouge. J'ai 74 briques. Des briques. Là, il pioche un Babylone et c'est la fin. Oh. Tristesse. J'ai piqué ton matos. Oui, mais j'ai trop de matos, donc vas-y, serre-toi. Je vais me gêner. C'est open bar ici. Oh, t'as trop d'armes de toute façon. C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai beaucoup trop d'armes. Je vais faire un wall. Pourquoi tu fais pas les pixies? La build wall, j'économise pour une malédiction. J'aime pas trop ça. Eh, si j'arrive à 100 armes ou à 100 briques, il se passe quoi? Rien. Zut. J'espère que t'auras un nombre de ressources à 3 chiffres. Ah oui, mais... Y'a plus rien. Oh oui, Babylone! Ah! Enfin, une carte qui me permet d'utiliser mes immenses ressources. On va continuer d'attaquer, hein. C'est... Babylone! T'es oh oui, une catapulte! T'es un de plus grand que moi. Ouais. Et j'ai vraiment pas de carte rouge! Que de la merde! La moitié de ta main te sert à générer des ressources! Bon, on va continuer à attaquer, hein. Petit à petit, je te casse la gueule. La barrière, Merde, j'ai récupéré une vraie carte. Oh oui, des stocks. Non, salaud. J'ai pas assez de stocks, donne-moi ça. J'allais te lancer une malédiction. Eh ben non. Ça sert à rien tout ça, j'ai pas envie de dépenser mes cristaux. Cassez-vous, carte de merde. Barrez-vous, con de carte. Bon. Je te malédictionne. On est égalité maintenant. Zut, j'ai pas pu profiter de mon avance parce que mon pays est un pays d'incompétents. Pourtant, on a tous les deux fait beaucoup d'école. Oui, mais tu me les as volés. T'as payé dans les réserves. Quoi? Ah, allez, plus de cartes. C'est la fin du jeu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais... Hein? C'est bugué? Je... La partie a trop duré, le jeu a bugué, c'est sérieux. Paix blanche, à l'aide. Bon bah paix blanche. Bon. La dernière d'air. Mais quoi ça, la dernière d'air? Attends, j'ai une super idée. On peut modifier le deck normalement. Oh merde. Non, touche à rien. Donc j'en parle, que je chevalier, c'est une carte de merde, on en met pas. Voilà. Non, mais arrête. Mets par défaut et fais pas chier. Ah bon. Bon allez, celui qui gagne celle-là gagne tout. Et si ça plante encore, c'est moi qui gagne parce que j'ai gagné la première. Wesh! Bon du coup c'est à moi. Ah j'ai même pas assez de briques pour ça. Bah non, tu penses avec 5, c'est pas 8. Moi je t'attaque alors. Ah non, il m'a attaqué. Je vais t'attaquer aussi. Ouais, mais tu attaques moins fort donc du coup j'ai gagné. Ah zut. Putain, toujours pas assez. Je peux utiliser des trucs à briques. Vas-y, mets une brique. Une très grosse brique. Hop là, un sorcier, voilà, j'ai l'avantage. J'ai gagné. Oh, et j'ai. Oh, mais t'as deux écoles! Bah oui. Il va me babylonner, mais tellement fort. Chez nous, on est éduqués. Oui, bah chez nous, on fait de la magie et on a des soldats, voilà. On fait des matchs de guerre. Ils lancent des flèches, mais avec de la magie. C'est comme un arc, mais avec de la magie. Du coup, c'est nul. J'écoute même pas ce que tu dis. Ah zut. Et bah moi aussi je vais... Mais... Ouais, c'est pour l'isolation sonore, hein, comme ça j'entends plus ce qui se passe dans la maison d'en face. Voilà, j'ai conjuré des briques, j'en ai besoin. Salut voisin. J'ai conjuré des briques pour avoir plus de briques. J'ai perdu mon ballon. Chut. Je vais casser des briques. Ouais mais je m'en fous parce que j'ai maintenant une génération de briques. Bah je vais peut-être prendre tes stocks. C'est pas du vol, c'est du sabotage. Sabotage! Il faudra que je pense à trouver le clip de vaillant pigeon de combat avec la souris qui est cinglée. Sabotage! Sabotage! Qui tient une allumette et qui part droit sur les lignes ennemies pour se suicider en sabotant les... Ouais, j'adore ce perso. Il est français. Tellement con. Bon bah sabotage hein. Oh putain, il a 4 écoles et il a Babylone.
Moi j'ai plein de soldats, mais j'ai pas la... Je veux plus de magie. J'ai des pixies à recruter. Bah, je casse tes armes parce que j'ai rien de mieux à foutre de mes cristaux. Et bah, je casse tes armes parce que j'ai... Non. C'est non, pas grave, ne soyons pas cons. J'ai rien à foutre de mes armes non plus. 18 pour 25 pour 5, c'est quand même mieux le fort. Donc bah, si, on va casser tes armes. Oh non. J'en veux des briques. C'est bien. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'en aurai. Moi, j'ai plus de briques. Ha ha. Je tape dans la réserve. Ha. Prochain tour, je vole ton château. Je vais invoquer des pixies, moi. Et ben moi, je vais te piquer une échauguette. Eh, tu sais même pas ce que c'est, une échauguette. Si, c'est une espèce de poste de garde en hauteur, des espèces de mini-tours en hauteur sur le marais. Moi, tout ce que c'est qu'il y a une pierre qui s'est barrée sous l'échauguette. Bon, pixies. Rania. Allez, on va finir. On va finir les vides, je vais babylonner. Non. Si, 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 regarde, 39. Mais non. Hop, voilà. J'ai 5 maçons. Regarde, c'est les maçons du cœur. Cœur sur moi. Non. Toi, t'es moche. Si. Regarde, je pourrais conjurer des cristaux parce que j'ai aucune carte à cristaux. C'est rigolo. Ouais. Bah, moi, j'ai une carte à cristaux, prends ça. Bah, je t'attaque. Ça m'arrange. Zut. Je casse tes briques. T'as beaucoup trop de briques. Mais ça m'arrange parce que du coup, ça retarde le moment où tu utiliseras le polaire. Construisons plus de fondations. Il faut des fondations pour résister aux sauterelles. Je peux utiliser le souhait, t'as pas de muraille, du coup j'ai juste envoyé des sauterelles. Voilà. Oh non. J'ai cassé tes fondations. Non, moi aussi je t'attaque avec des sauterelles. Par contre, moi j'ai aucune génération de soldats donc ça va être chaud. Je casse tes cristaux, comme ça tu pourras pas utiliser tes cartes à cristaux. Tu me casses les couilles. T'as la carte à cristaux. Oui, bah moi j'ai un fort, voilà. Mais c'est pas très gentil ce que et t'as fait. Comme j'ai un fort, je suis fort. Fort, fort. C'est fort en chocolat. Je peux faire une tour par tour. Voilà. Ça me paraît bien. Une tour, et moi je peux t'envoyer la peste. Ah. T'as plus de cristaux. Oui, mais j'ai des chevaliers. Aïe. Oui, mais j'ai une tour. Une tour par tour. Bah, moi j'ai des sauterelles. Ça fait... Ah bah c'est bien ça. Oui, mais j'ai des archers. Non, je m'en fous. Je m'en fous, c'est de la merde. Arrête de t'en foutre. Je suis menaçant. Alors là. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Agro. T'as plus rien. Ah non, j'ai plus rien. J'ai un peloton. Prends ça. Prends un peloton. Donne. Prends un philosophe grec qui est également un lutteur dans la bouche. Avant, j'y vivais dans une caverne, puis j'ai pris un Platon dans le genou. Est-ce que l'existence de Platon implique l'existence de Rondon ? Joue. Pardon. Ça implique l'existence de Rondon. Moi, tu pourrais invoquer les briques. Waouh ! Le gars qui me dit quoi jouer ? Parce que c'était le truc le pire que tu pouvais faire, mais tu l'as fait quand même, donc du coup, bah... Non, j'ai besoin de briques, j'ai une carte Babylone. Ouais, ouais. J'ai une Babylonée, mon gars. Mais avant... Petit poulet. Garde. Tu vas avoir du mal à me babylonner avec deux constructeurs, hein. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est important que je conjure des briques. Moi, je conjure les sorciers. Je vous en conjure, monsieur le sorcier, venez m'aider. Et bah, je te sabote. Mais mes briques, Bah, moi, je te sabote avec des sauterelles. Moi je le sabote, lui il me sabote. Voilà. Oh non, il a 3 constructeurs, je suis menacé. Ah non, en fait. Zut. Et bah. Non, j'utilise un swat, ça me casse les couilles quand même. Oh oui, notre école. J'aime les écoles. Alors, réfléchissons. Saucisson. Bon, moi, content, il m'a plus. Quoi? C'est... Non. J'ai la curse à utiliser. De la poux. J'ai réutilisé la méta curse. Non. Écoute. Faut absolument que je le tue pour que ça arrive. Non.
Eh bah, je te souhaite. C'est précisément ce que j'attendais que tu fasses. Ça me permet de recruter plus de gens. Je vois pas le rapport. Moi non plus. Mais la guerre psychologique, c'est important. Je détruis tes cristaux. Ouais, mais tu sais, ça se sniffe les cristaux aussi. J'ai rien à foutre, tu peux rien sniffer si je les ai détruits. Je vais mettre mes briques de côté. Genre, sur mon côté droit. Oui, bah moi je... Tu es grand. Voilà. J'ai autant de soldats que toi maintenant. J'ai plus de builders, j'ai plus de magie. Oui, bah moi je fais un château. Alors j'avoue qu'il y a des armes. Ouais, la Banshee arrive, je le sens pas super bien. La Banshee, en fait, elle pète à peine plus que ton mur, hein. T'as un grand mur quand même. Non mes briques ! Bah oui, bah... Salaud ! Prends ça ! T'as pas le droit de babylonner, non mais oh. C'est la mort. Moi je veux les armes, plus d'armes. C'est la mort qui t'a assassiné. Je veux des armes, pour équiper mes armées. Attends, t'as 96 ? Ouais, tu vas mourir. Meurs. Ah non. Bah, conjure les briques, hein. Les briques. Putain. Pute. Il faut pas qu'il met. S'il m'a. Bah, il mourra. Vite. Tapez dans la réserve. Mais les vite, mes seigneurs. Tapez dans la réserve quand même. La réserve, c'est un surnom pour ta mère. Je tape dans ma réserve inexistante. Putain, mais il y a 94, mais... Tu pensais que j'allais te babylonner ? En fait, je vais te réserver. Wait. Attends, quoi ? T'as plus de briques ! Non, mais... Putain, il y a 96 ! Tant qu'on a des bases solides. Donne tes stocks ! Mais non ! Si, tu donnes tes stocks ! Le salaud ! Non, t'arrêtes de refaire des stocks, tu me donnes tes stocks ! Non ! Tu me donnes tes stocks ! Non ! Si, tu me donnes tes stocks ! Casse-toi, l'eau ! Non, tu me donnes tes stocks ! Non ! T'as pas le droit! T'arrêtes! Tu cesses! Je te tabasse! Non! Tu me tabasses pas! Plus haut le château! Plus haut! Non, va-t'en! J'ai dit plus haut le château, plus haut. Tu n'auras jamais ta banchie, je t'en empêcherai! Putain, T'es à deux tours. Tu peux pas m'arrêter. Je vais te babylonner. Te babylonner. Ta défaite est inéluctable. Tac. Hé, ché. Un simple contretemps. Un simple contretemps aussi. Ta défaite est inéluctable. Tu ne peux pas l'éviter. Tu te sens d'humeur lucteuse aujourd'hui? Putain! J'ai perdu! Oui. Chier! Bite! Je ne suis pas impressionné! Tu as été babylonné! Mais putain! Mais pourquoi à chaque fois j'ai 5 fois plus de générations? Je te domine toute la game et t'arrives, t'es là, Babylon! Pourquoi t'es à 124? Parce que j'ai un gros château! Non! C'est parce que je pioche que des cartes de merde! Exactement, ce qui me permet d'avoir un gros château! J'en ai ras le cul. Voilà, bah, je suis déçu, j'ai perdu, j'ai même pas eu toute une pizza entière avant de manger. Bref. Ah, toujours à se plaindre celui-là. Ouais. Bon, ça sera tôt pour aujourd'hui. Ce soir, tu veux dire. Ouais. Il y a un Castle Wars 2 et même un 2,5. Mais je pense pas que je ferai des vidéos dessus parce que... Parce que t'as la flemme. Parce que ça porte pas grand-chose en vrai. Parce que t'es mauvais. Mais hey, c'est pas moi qui me suis fait babylonner aujourd'hui pour une fois. Je suis salé. Je constate. J'avais l'avantage. Je t'ai mis 4 cœurs dans la gueule et le jeu a bugué. C'est injuste, monsieur agent. Je te demanderai une revanche. N'empêche que même si t'avais gagné la deuxième, sur un best of 3, j'aurais gagné. Donc, chais. Pas forcément, parce que peut-être que le fait que j'ai gagné la deuxième t'aurais mis mal dans ton karma. Non, mais arrête d'essayer de lire des futurs alternatifs. Là, t'as perdu, c'est tout. T'es mauvais, Jack. J'ai pas perdu si le jeu a bugué. On sait tous dans nos cœurs que t'as perdu. Mais t'as pas de cœur, toi. Pourquoi faire ? Bah voilà, donc tu peux pas savoir dans ton cœur. Donc du coup, tu ne sais rien. Je vais même pas répondre. Comme Platon. Enfin, c'était Socrate, mais c'est pareil. Au revoir à tous. Non !
Et à la prochaine. Je suis déçu, je veux une revanche. J'appuie sur le bouton de fin de vidéo.